aujourd'hui nous sommes le 2 novembre, eh ben, on est de retour, voilà. Donc j'ai commencé par mon petit camion, là on l'a retrouvé, c'est cool, bricolage, j'ai des trucs à faire avant de partir, parce qu'on a prévu une petite balade aux Canaries avec notre camion pour quelques mois, donc depuis une petite année là, qu'on se promène avec, j'avais des améliorations à y apporter, donc pas grand chose, mais voilà, des choses qui peuvent être plus pratiques après. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà commencé. Déjà, en arrivant, on check l'EcoFlow. Alors l'EcoFlow, c'est notre batterie supplémentaire, et ça fait 2 mois qu'elle n'a pas été chargée. Elle était à 95%, et ben là, elle est à 93%. Donc elle est deux mois sans charge, elle perd que 2%. Donc ça, c'est super. C'est impeccable, ça. C'est plutôt rassurant. Parce que j'avais choisi de mettre les panneaux solaires sur la batterie du camion. En fait, ici j'ai un système là avec un câble. Donc ce câble il part de l'EcoFlow, il arrive à la gestion des panneaux solaires. Et ici j'ai un connecteur. Donc ce connecteur, ben, ça c'est l'alimentation des batteries du camion par les panneaux solaires. Et il me suffit de débrancher ce connecteur. Alors il me suffit de brancher ce connecteur là qui arrive du système panneaux solaires à ce connecteur là, et là j'alimente mon EcoFlow au solaire. Mais bon, là pour l'instant, vu qu'il a une bonne charge, je vais pas le laisser en charge pour l'instant, et je vais plutôt l'utiliser parce que ça leur fait du bien aussi d'être utilisé. Donc là, les travaux que j'ai fait, c'est rajouter une prise ici, rajouter une prise de courant avec une rallonge. Et là, cette rallonge, elle va être branchée à l'EcoFlow ici. Et ça me permet, quand on est sur la cuisine, de pouvoir utiliser la bouilloire, brancher les téléphones portables. J'ai acheté un adaptateur qui est très bien. On l'avait emmené en Thaïlande. Et là, on peut charger les téléphones portables, tous les accessoires, plus des prises de courant. Donc ça, c'est top. Ça va se mettre là. Et puis voilà, je montrerai ça quand ça sera fini, vu que j'aurai passé les câbles. Et voilà, là, on a une autre petite cloche qu'on a ramenée de Thaïlande. Voilà, et ça c'était le petit bricolage du matin pour l'instant, en attendant le reste à faire. J'oubliais aussi, j'ai installé le tissu. Voilà, j'avais acheté un tissu en Thaïlande, j'aime beaucoup leur tissu. Et du coup, je l'ai mis en couvre-siège pour protéger mes sièges, ça fait plutôt un bel effet. Voilà, ça c'était pour ce matin. Voilà, la petite prise elle est posée, nickel, avec l'adaptateur magique. Voilà, c'est top. Mettre la bouilloire, les téléphones portables, tous les petits accessoires, impeccable. C'est collé à l'AMS, donc ça bougera pas. Voilà, l'AMS, c'est ça. Voilà, MSP 108. Voilà, un point de colle, et comme ça, si on veut l'enlever, on n'abîme pas le camping-car, enfin le camion. Et puis c'est peinard. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, ça c'était le petit boulot d'aujourd'hui. Allez, peut-être à demain pour d'autres aventures de bricolage.